part 3. Le poisson qui se promène, les poissons avec les deux amoureux sur le bateau. J'ai pris ma baguette. Alors ici, vous pouvez voir très bien. Ça, c'est un poisson ici. Là, ici, il y en a un deuxième avec sa queue qui est ici. Là, maintenant, on va pouvoir avoir un peu plus de détails. Il y a les deux amoureux qui sont là. C'est un rough sketch. Ça, c'est pas définitif, mais ça va être pas mal comme ça. Avec ici, on voit le petit bateau qui va être fini. Là-bas, c'est le ciel. Alors, je me suis équipé d'une petite baguette comme Jacques Lebrun quand il faisait la météo. Alors, ça, la chose, elle va finir là. La mosaïque, elle va finir ici. Et puis, c'est ça. C'est tout le dessin. Là, en gros, c'est l'idée. Le dessin va rester pas mal original, là, comme qu'il est là. Ici, il y a le monsieur. C'est le monsieur, ça. Une lèvre unique pour les deux, étant donné qu'ils sont amoureux, puis que ça devient une seule chair. Bon, ben, on vient avec une lèvre, on simplifie. La femme est là. Ça, c'est le bateau. Ils se donnent la main ici. Je sais que ça fait rire certains de mes auditeurs de voir que j'ai une baguette comme Jacques Lebrun, mais que vouliez-vous? C'est plus facile pour expliquer. J'ai presque 60 ans, ce que je commence cette année de monter et descendre, puis faire le petit comique, là. Bon, ben ça s'en vient. Le bas ici, cette section-là ici, partout ici, elle va tout être grottée avec le jointage de main, là, après que j'ai nettoyé. Ça va être un peu plus encourageant parce que ça prend beaucoup d'énergie mentale, hein, faire ça. Ça vous brûle. Fait que là, on commence à avoir une idée grossière un peu de ce que je m'en vais, où je m'en vais. Est-ce que c'est un Blue Period? Est-ce que c'est un hybride? Est-ce que c'est... Je ne sais plus quelle période que c'est à mon âge, là. On s'en fout pas mal des périodes, là. Who cares? Ça fait qu'il va y avoir pas mal d'ouvrages à faire. Ça, c'est pas définitif. Les couleurs sont pas définitives. Je sais que le monsieur va être plus noir que blanc. La madame va possiblement être blanche, peut-être noire, je sais pas. Là, on verra sur... J'ai pas... Mes couleurs baissent, hein? Les couleurs baissent. J'ai pas mal encore de... Pas mal de petits morceaux de... choses, là, de mosaïque que je coupe. J'ai de la vitre ici. De la vitre. Moi, je cherche... J'ai demandé à quelqu'un hier ce matin si on pouvait avoir de la vitre du bleu cobalt. C'est bleu, bleu foncé. Alors, vous le voyez très bien ici, le petit vidéo. Ça s'en vient. On peut faire un plus gros plan sans trop se fatiguer. Comme toujours. Ça ici, c'est la vitre. Tout ça ici, c'est de la vitre. Alors, il y a le poisson ici. Celui-là, il m'a pris pas mal de temps à faire. Et là, ben, c'est des algues, je sais pas trop. J'ai mis du rose parce que, ben, je sais pas. Je pense qu'au fond des océans, il doit y avoir des couleurs roses, j'imagine. Je me pose pas la question. Les questions, on s'en pose pas trop dans la vie parce que plus on se pose de questions, puis moins on comprend. Bon, ben, je vous laisse pour la partie numéro 4. C'est celle-ci. Je vous enverrai notre vidéo demain matin, demain soir. Allez, bye bye. Salut tout le monde.